Are you ready for the motherfucking remix? What up gang, bienvenue à ma chaîne YouTube qu'on parle juste de Star Wars. Toutes mes vidéos vont parler de Star Wars. What up gang? Remix! Fait que je vais faire une autre vidéo Star Wars. Fait que j'ai écouté Contexte. J'ai écouté la saison 1 à 6 de Clone Wars avant que la saison 7 ne sorte le 21 février 2020, je crois. Fait que là, j'ai vraiment aimé ça. Et là, je m'étais dit, ok, je vais laisser une autre chance aux prequels, donc épisode 1, 2, 3. Je les avais écoutés il y a comme 3-4 ans, et ma conclusion à l'époque, c'était comme, le 1 et 2, c'est quand même mauvais, et genre la fin du 3, c'est quand même correct, genre. Mais là, avec toutes les aventures de nos héros, donc nos Jedi et nos vilains, nos méchants dans Clone Wars, ça m'a vraiment fait apprécier l'ère de la République. Donc c'est peut-être possiblement rendu mon ère préférée. Mais c'est quand même intéressant de voir plusieurs Jedi. Puis à travers les Clone Wars, bon, on voit beaucoup plus l'univers, la galaxie, la force, c'est expliqué avec divers épisodes. Ça devient bon à partir de la saison 3, mais dans la saison 1 et 2, il y a des bons arcs. Donc, ça fait que, je pense, Revenge of the Sith, c'est quand même vraiment bon, ok, finalement. Et je pense que l'opinion publique aussi a changé, peut-être parce que la plupart des gens n'ont pas tant aimé la trilogie, les sequels, donc 7, 8, 9. Et surtout pas 8. Je pense que ça, c'est pas mal... l'opinion universelle. Par contre, moi, j'ai comme... juste mini contexte de tout. Moi, j'ai grandi sur 4, 5, 6. Au départ, j'aurais pas voulu qu'il me montre 1, 2, 3. J'aimais ça que Obi-Wan te parle d'un... comme, oh, I know your father. Puis c'est comme, tu laisses ton imaginaire comme, ok, genre... développer ce qui s'est vraiment passé. À l'époque, j'étais un peu déçu de voir, vraiment. Puis comme, les effets visuels étaient pas super... c'était un petit peu mal compté. Bref, 7, 8, 9. Le 9, j'ai aimé. Mais pour, spoiler, pour aimer le 9, il faut juste que tu prennes pour acquis que l'empereur est de retour. Et j'ai pensé, tu pourrais quasiment juste skip le 7 et le 8. Au départ, j'étais comme, ok, peut-être tu peux skip le 8, mais le problème avec le 7, c'est que le 7 s'amène tellement à la rencontre, ça finit à la rencontre de Luke, que comme... mais tu pourrais penser qu'il y a une ellipse, en tout cas, moi j'adore Star Wars, fait que, c'est à vous de choisir ce qui est comme canon pour vous peut-être, moi je le fais comme ça. Et comme exemple, dans le fond, quand Disney a acheté... Star Wars, Lucasfilm, tout ce qui était publié avant dans les comics, les livres, tout médium confondu, est devenu Legends, sauf pour les émissions de télé, donc Clone Wars et Rebels, que j'ai pas encore regardé, et puis les films. Fait que j'ai tellement aimé Clone Wars que je me suis acheté les comics Legends c'est plus rendu canon, mais c'est comme, je pense, j'ai pas encore lu, mais j'imagine que ça pourrait l'être.
C'est peut-être qu'il y a certains trucs qui viennent en contradiction avec ce qui a été fait dans l'émission Clone Wars. Mais check ça comment il est badass. Check it. Je trouve ça tellement sick, genre le. Comme. Le franchise, la franchise. Juste le comme le logo, genre Star Wars, stuff. C'est comme. C'est tellement génial. Star Trek. Ben, Star Trek aussi, c'est bon. Il faudrait que je re-regarde. Fait que. Tout ça pour dire que les prequels, finalement, je suis content qu'ils existent. Et ça a permis à Clone Wars d'exister. Et Clone Wars vient comme supporter et développer beaucoup des personnages des prequels. Et fait aujourd'hui, maintenant, après les avoir revus dans le contexte que j'ai regardé Clone Wars et que j'ai beaucoup aimé. Et qui potentiellement, je pense que ça continue. Certains personnages reviennent dans Rebels. J'ai pas encore regardé. Je ferai une vidéo. Et je pense. Et Clone Wars est connecté à Mandalorian. Juste pour que vous sachiez. Donc, j'ai très hâte à la saison 7 de Clone Wars. Mais tu sais, comme. C'est sûr que Jar Jar est un peu gossant, mais. Apparemment, il y a une théorie qui dit que George Lucas voulait que Jar Jar soit secrètement un Sith Lord. Un peu comme Yoda, quand on rencontre pour la première fois dans Empire Strikes Back. Il a l'air un peu ridicule, puis faible, puis retardé, genre. Mais finalement, c'est genre un des maîtres Jedi les plus puissants. Il voulait faire la même chose avec Jar Jar. Mais finalement, les fans sont tellement chialés que comme j'imagine qu'il a changé l'histoire. C'est vrai, là, bien sûr. Mais. Écoute. Tu sais, dans l'épisode 1, il y a Qui-Gon Jinn, il est vraiment sick. Darth Maul, il est vraiment, vraiment sick. Puis dans. Comme les arcs. Spoiler. Les arcs avec Darth Maul dans Clone Wars sont vraiment. Vraiment fresh. Fait que. C'est ça. Puis l'épisode 2, c'est quand même. C'est ça, c'est parce que j'ai vu plein d'épisodes de Clone Wars qui vient plus explorer et expliquer ce qui se passe avec les clones. C'est comme. Tu sais, dans les films, c'est brièvement. On touche brièvement à ces thèmes et ces histoires-là. Mais dans Clone Wars, c'est mieux développé. Donc, la seule chose que je comprends pas, c'est comment ça, comme les Stormtroopers, c'est qui finalement? C'est juste des random dudes? Comme un Tébilo, si vous savez, mais d'après moi, c'est les Clone Wars après Order 66. Ils font partie de l'Empire. Et à ça, est-ce que c'est eux qui se transforment puis changent de costume? Ou bien est-ce qu'il y a peut-être qu'ils changent de costume puis il y en a d'autres humains qui se rajoutent. En tout cas, je vais checker sur Wikipédia. Donc, épisode 3, c'est quand même. Mais, dans Clone Wars, on voit des indices qu'Anakin est comme dark. Puis, fait que, ouais, Revenge of the Sith, c'est quand même sick. J'ai quand même trippé, puis c'est. Honnêtement, je pense que je suis comme correct avec aujourd'hui. Et. Peut-être que Oh, le 8, man, il est tellement. Comme les parties avec Kylo Ren sont cool. Mais c'est comme je peux pas croire que, comme il y avait pas. Ils ont pas comme écrit 7, 8, 9 à l'avance, ou du moins les grandes lignes. Mais je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Anyways, fait que prequels, au final, j'aime ça. Et je vous conseille tous d'écouter, bien sûr, la série Clone Wars. Et là, ils vont sortir la saison 7, fait que là, ça va être encore plus connecté à Mandalorian, je crois. Parce que c'est Dave Filoni qui supervise ou que les mains là-dessus, là-dedans.
Et c'est comme le Padawan de George Lucas. Donc, il sait exactement ce qu'il fait. Et je pense que comme... Éventuellement, je pense que je vais juste me faire une liste de comme les meilleurs épisodes de Clone Wars. Puis je vais les réécouter comme si c'était comme des petits films. C'est comme ça, c'est comme t'as des arcs de comme 2, 3, 4, 5 même épisodes. Puis ça fait comme si c'était un mini-film. C'est comme... C'est du vraiment bon Star Wars. Fait que... J'ai hâte d'écouter Rebels. J'ai des amis qui l'ont vu puis qui me disent que c'est bon. Je pense qu'il y aura une suite aussi à Rebels. Anyways. May the Force be with you. Puis abonnez-vous à ma chaîne Star Wars exclusive. On fera juste de Star Wars cette chaîne-ci. Tout le temps Star Wars. 6 vidéos par jour. C'est drôle parce qu'il y a comme une chaîne que je suis sur YouTube. C'est comme. C'est-tu Star Wars Explained ou. Non, c'est pas Star Wars Explained, mais souvent c'est écrit entre parenthèses Star Wars Explained. Ah, c'est quoi le nom? C'est juste un dude. Puis comme. Il poste, il upload littéralement genre 7 vidéos par jour avec des rumeurs qu'il entend, genre. Mais c'est comme une grosse chaîne, une des grosses chaînes populaires de Star Wars. Puis c'est comme, yo, ferme ta gueule, genre. Tu me mets sur plein de pistes par rapport. Puis c'est comme, pourquoi tu fais ça, genre? C'est ça ta vie, genre. Tu parles juste de rumeurs, de fausses rumeurs. Puis c'est tout le temps des gens de gros clickbait, genre You won't believe, genre Kathleen Kennedy has said blablabla, ou genre You won't believe. En tout cas. Fait que Prequels, j'ai aimé. Clone Wars, j'ai encore plus aimé, en fait. Fait que c'est comme. En fait, Clone Wars, c'est meilleur que 1 et 2. Puis. Revenge of the Sith, c'est genre aussi bon que Clone Wars, genre. Fait que c'est ça. Alright, peace.